Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale. Une montre qui va rivaliser avec l'Apple Watch. Non, je plaisante. Je vais vous présenter une montre très spéciale. Une montre qui donne l'heure avec des billes. Une montre vraiment inédite que je viens de découvrir il y a quelques jours. Une montre assez curieuse dans son aspect tactile, mais au point de vue visuel, très design, très jolie. Cette montre, je vais vous la présenter, elle est sur le bureau, cette montre est la Bradley. Alors la Bradley, pourquoi ce nom? Cette montre a été appelée Bradley en hommage à un très grand athlète paralympique qui a gagné donc 2 médailles aux Jeux Olympiques en 2012. Et cet athlète s'appelle donc Bradley Schneider. Donc c'est un athlète qui a perdu la vue tardivement et chaque montre qui est vendue reverse une partie à une association pour des personnes déficientes visuelles au Canada et aux États-Unis pour pouvoir aider à l'achat de chiens guides d'aveugles. On va découvrir donc la montre est sur le bureau dans son emballage. Vous allez découvrir cette montre, elle est dans un très bel écrin, elle est tactile, elle nous donne l'heure avec 2 billes. C'est vraiment impressionnant et vous allez voir ça tout de suite. Je vais rentrer dans les caractéristiques et vous montrer son allure et sa façon de donner l'heure. Alors comme je vous le disais, cette montre a une allure très design. Ici, on a déjà d'entrée sur la boîte, on a déjà son nom marqué, Bradley. Et elle est mise dans un très bel étui. J'enlève donc dans un premier temps le dessus. Ensuite, on a une boîte qui s'ouvre. On a une boîte vraiment de bijouterie, hein, puisque l'intérieur tout en velours. On a donc de suite un cartonnage, la notice de la montre et encore une protection pour la montre. Et voici donc la Bradley. J'espère que les personnes voyantes pourront bien vous expliquer cette montre. Je vous la montre, elle est dans son écrin. Alors elle possède un bracelet milanais, petite maille. Elle est très particulière. Elle ressemble à aucune autre montre. Elle est vraiment très jolie, au toucher très belle. Je vous assure, ici je vous la mets dans sa longueur, je vous assure elle est vraiment magnifique. Au toucher donc, c'est un bracelet donc milanais comme je vous disais en acier. Et je vais vous expliquer donc maintenant son fonctionnement. Alors c'est une montre dédiée aux personnes mal et non voyantes et ça peut être aussi une montre dédiée aux personnes voyantes. On va rentrer dans les caractéristiques. Le diamètre du cadran fait donc 40 mm. Son épaisseur donc est de 11,5 mm pour l'épaisseur. Mouvement à quartz suisse. Comme elle est très 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 jolie. La matière est en titane sur la façade de la montre. Donc tout est en titane. Le dos est en acier. Un bracelet réglable de type milanais. Donc en petite maille. Et on peut ici régler suivant la grosseur de notre poignet. Le coloris de cette montre, on la trouve en argent mat. On peut aussi éventuellement changer le bracelet si on le désire. Son alimentation se fait par une pile bouton Renata 371. Le poids de la montre est donc de 75 grammes. Le poids de la montre, donc du cadran et du bracelet, est donc de 275 grammes. Elle est donc résistante aux éclaboussures, splash proof, d'accord, à la pluie, mais en aucun cas, elle est compatible à la natation et au sport intensif. Donc, lorsque vous allez faire du sport intensif, vous allez vouloir faire de la natation, obligatoirement, vous allez devoir enlever votre bracelet. Alors j'essaye de vous donner des reliefs aux gens qui voient pour qu'ils puissent vous expliquer. Regardez, c'est assez impressionnant en termes du cadran.
on est vraiment surpris par l'aspect de la montre. Alors comment la Bradley nous donne l'heure? Le principe va être par billes. Ces billes sont toutes les deux coincées dans un rail. Ici, au toucher, on a donc une première bille. J'essaye de vous la montrer de très 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 près. Alors ça ressemble un peu à une montre égyptienne, un peu, hein, on dirait, avec des hiéroglyphes, hein, c'est vraiment très particulier. Alors cette bille, la première, qui est sur la façade, est dans un rail. La seconde bille est dans un autre rail, mais sur la tranche de la montre, en fait, sur le contour de la montre. Et ici, j'essaye de vous la montrer, elle est ici. Alors, quelle heure, par exemple, nous donne cette montre? Actuellement, elle me donne ici, avec la première bille qui est sur le contour de la montre, je vois qu'il est 5 heures. Et ici, on approche près du 40. Donc, on serait à 17h40. On va vérifier sur mon Apple Watch. 17h40. Et voilà, donc, par le biais de ces billes, c'est assez impressionnant au toucher. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau justement du toucher? Alors, ces billes, en fait, se déplacent suivant le temps et leur mouvement se fait par un système d'aimant. C'est vraiment super ingénieux, ces billes-là se déplacent via des aimants par rapport au temps. C'est vraiment impressionnant au niveau du toucher. Elle est vraiment, vous allez voir, si vous arrivez un jour à toucher cette montre, elle est impressionnante. Alors, la bille du dessus, c'est la bille qui va nous donner les minutes, d'accord? Et la bille qui fait le contour du cadran, c'est celle qui va nous donner l'heure. On prend l'habitude, on vient toucher dans un premier temps l'heure, ici 5 heures, et ici 42. Donc vous voyez, on arrive facilement, une fois qu'on s'est bien adapté, à aller lire l'heure. Alors pour le réglage de l'heure, bien sûr, comme toute montre, on a un petit bouton poussoir qu'on lève, et on va régler notre heure en touchant nos billes. Et au fur et à mesure, les billes vont tourner. Je vais vous montrer ici. Je vais tirer sur la petite tirette. Et vous allez voir, les billes vont tourner au fur et à mesure. Et je renfonce la petite tirette qui est sur le côté droit de la montre. Alors, comment nous est indiquée l'heure? Pour 12 heures, tout en haut, il y a donc une sorte de triangle en sorte de repère. Ceci sera pour 12 heures. On a donc un très long trait pour 3, pour 6 et pour 9 heures. Et un trait court pour les autres heures. Donc par exemple, ici, on serait au 3, donc à écart. Et un petit trait court entre le 3 et le 6. Donc on a les petits traits qui nous montrent 20. 5 par 5, donc en fait écart. 20, 25 et 30. Donc des petits traits courts toutes les 5 minutes et des longs traits tous les quarts d'heure. Alors je vais poser mon Apple Watch et je vais mettre la montre. Voilà donc à mon poignet. Donc je vous montre. Voilà, vous regardez, allez, ça fait vraiment très joli. Et au niveau des billes, donc regardez, on peut bouger les billes, mais tout simplement en secouant très fort notre poignet, en fait très fort, en secouant notre poignet, les billes viennent instantanément se remettre à leur emplacement et on a bien l'heure qui nous est indiquée correctement. Par exemple ici, voilà, on a toujours 5 heures et on arrive bientôt à un peu plus de moins le quart. 17h47. Voilà, donc vous voyez, le toucher des billes, quoi qu'il arrive, même si on déplace la bille, regardez ça, la bille vient se remettre toute seule. C'est impressionnant. On a simplement à secouer la montre
et la bille vient se remettre à son emplacement, à l'heure d'origine à laquelle elle doit être. On dirait vraiment une montre qui vient du futur. On dirait vraiment une montre qui vient d'ailleurs. C'est impressionnant. Par exemple, je bouge les billes, vous voyez. Et d'un mouvement rapide, tac, les billes viennent se remettre instantanément là où elles doivent se trouver au niveau de l'heure. Regardez ici la petite bille qui est sur la tranche, s'est remise à l'heure. Et celle du dessus s'est remise à l'heure. Donc cette montre a été créée par des ingénieurs en collaboration de personnes déficientes visuelles. Donc elle a vraiment été parfaitement étudiée pour le tactile. On pourrait dire que c'est presque comme à l'effigie de l'Apple Watch, une montre haptique qui permet en fait d'avoir l'heure par le biais du tactile. C'est vraiment très surprenant au niveau du toucher. Mais alors quand on la porte, c'est vraiment très design. Je vous laisse expliquer aux personnes déficientes visuelles, pour ceux qui voient, ou même pour ceux qui voient, je vous laisse montrer ça. Je peux vous dire que beaucoup de gens peuvent se poser des questions quand vous avez cette montre au poignet. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère que j'ai réussi à être le plus explicatif possible pour les personnes ne voyant pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas justement à mettre des commentaires. Je vous fais écouter les petites billes, écoutez. Voilà, donc si c'est le cas, comme je disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous en aura appris un peu plus sur la Bradley, une montre à l'effigie d'un grand athlète ayant perdu la vue. Donc, une très jolie montre du futur. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner surtout à la chaîne pour continuer à recevoir directement dans votre boîte mail les vidéos qui vont sortir. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !